Oh, j'ai perdu ta carte. Ah, sa pâte est désolée. Elle rentre toute dans sa bouche, ça rentre. Ça rentre. C'est trop. Il casse une jambe. Ouais, c'est trop. Là, elle va la voler. Jack, on voit comme qu'elle a déjà mangé. Alexandra, enlève ta main. Elle casse une jambe. Elle est trop. C'est mieux, Okay. Donc, tu remarques, les mammifères, normalement, ils vont aller croquer dans le cou directement de l'animal pour qu'il arrête, hein, ça le paralyse, puis après ça, il se vide de son sang. Parce que la couleuvre, elle va souvent attaquer par l'arrière pour ne pas se faire voir. Et si tu remarques, la grenouille est encore vivante. Hein, donc, contrairement aux mammifères, c'est dans le cou, elle, c'est par en arrière, elle est sur noir. Elle arrive, bing, elle l'a pognée, l'autre est faite. Elle ne peut plus s'échapper. À part pour les serpents constricteurs. Pourquoi tu parles du serpent? Non, arrête de parler. Tu vois, le serpent, Est-ce que tu l'as mangé? Donc, la dernière fois qu'on avait mis la petite grenouille, c'est exactement ça qui s'est passé. Elle l'a mangée? Mais ça, avez-vous remarqué qu'elle l'a mangée quand il n'y avait pas personne? C'était calme en classe, la dernière fois. Beaucoup de bruit, hein? Là, il y avait deux élèves en classe. Quatre. Ben non, mais après nous deux, on est arrivés. Ouais, après nous deux. Mais comment ça, il y en a une grenouille, on ne l'a pas mis? Il y a cinq. C'est moi le premier qui l'a. Oui, il y a cinq qui l'a. Pas mal. C'est bien, non, c'est cool. J'avoue que c'est la version. Qu'est-ce qu'il fait? Elle est morte. C'est certain qu'elle est morte, là. Elle est aux premières loges. Je pense qu'elle a commencé à avoir faim. C'est juste sa deuxième grenouille en une semaine et demie. Non, c'est tantôt qu'elle l'a trouvé. C'est Delphine qui l'a trouvé tantôt. Elle est morte dans sa bouche. Le spectacle est terminé, c'est la récréation prolongée.